souvent une combinaison de plusieurs choses. Un joli sourire, des beaux yeux. Le champagne, c'est quelque chose de particulièrement le fun. Ça se passe dans le visage. C'est ça qui devient aphrodisiaque finalement. Mais c'est d'abord et avant tout de partager un bon moment. Si tu partages pas un bon moment, tu peux pas avoir bon sexe par la suite. Définitivement le toucher. C'est vrai que l'odorat est quand même les parfums, les bonnes odeurs. Tous les sens sont à peu près égaux pour se moustiller, mais je prends absolument rien, non, pas du tout. Est-ce que le café, c'est un peu aphrodisiaque? Parce que ça, j'en prends beaucoup.